Je souffrais avant. Je n'avais rien. Maladie me fatiguait. Mais aujourd'hui, j'arrive à parler, j'arrive à danser, j'arrive à manger. Et mes enfants aussi, ils étaient sorciers. Et aujourd'hui, ils sont tous délivrés par la grâce de Dieu. En venant même là, on a fait accident à Diglo. Il y a eu des morts, mais nous, on est sortis. Dieu nous a protégés. Il y a eu des morts dans la voiture. Oui, oui, papa. Et les gens, ils ont laissé les gens, ceux qui étaient, les cadavres, ils ont laissé. Et ils sont venus, moi et mes quatre enfants, ils sont venus nous regarder. C'est ici seulement qu'ils étaient touchés. Quand ils sont venus, on dit, ah, madame, vous partez où? On dit, on s'en va chez le papa prophète à Divo. Et on lui a dit que là, c'est pourquoi. Il dit, ah, mes enfants, là, ma fille, là, ils ont parlé de sa sorcellerie à l'église. Moi-même, je n'ai pas la santé. Donc, elle dit qu'elle est dans ça. Donc, je m'en vais où ils m'ont dit que là-bas, chez le papa prophète. Et tous ceux qui étaient autour de nous maintenant, ils nous disaient que c'est là-bas, il y a un vrai Dieu. Vraiment, que Dieu vous protège. Là-bas, arrivez là-bas, dites merci beaucoup à le papa prophète. Alors, on dit quand tu venais, il y a eu accident. Oui, papa, c'est moi. Il voulait que maman meure. Ah bon? Et c'est mon papa qui m'a initié dans le ventre de ma mère. C'est lui qui dit que quand il va me donner son sourire de tuer ma maman, c'est pourquoi il a fait ça. Donc toi, tu aimes bien faire les accidents. Hein? Quand tu venais avec ta maman, tu t'arrangeais comment pour faire l'accident? Quand il venait à ma maman, ce n'était pas moi mais qui était dans ce... Mon âme était sortie et c'est mon corps qui était resté dans ce camion. Et pendant, elle dit aussi que pendant qu'elles étaient dans le véhicule, physiquement, son corps physique était dans le véhicule, mais son esprit était sorti pour pouvoir provoquer l'accident avec le soutien de son papa. C'est dans ça qu'elle a provoqué l'accident. Son esprit était où? Mon esprit est sorti, ça, c'était où? Dans ton âme? Mon âme est sortie, c'était arrêté aussi, goudron, et puis elle creusait un trou. Elle dit que son âme est sortie, elle est sortie spirituellement, et elle allait creuser un trou au niveau de la route, sur la route. Et le gros camion qui venait, le chauffeur, il lui a fissé. Ça veut quoi? Il a fissé ce chauffeur qui était là, nous conduit. Et il dit qu'il va dépasser ce gros camion-là. Et maintenant, le gros camion s'est fait, il a tapé nos voitures. C'est pour ça qu'il a créé les accidents pour que maman meure, ça n'a pas réussi. Jusqu'on venait, maman avait fait un prier. C'est pour ça que ça n'a pas réussi. Mon corps était sorti et ce camion s'est renversé. On a sorti vivant, maman n'est pas morte. Elle dit que pendant qu'ils étaient dans le véhicule, elle est sortie de son corps pour aller créer l'accident. Et pendant qu'ils étaient, il y a eu un dépassement entre un gros camion et puis leur véhicule. Donc elle a fixé le chauffeur, leur chauffeur. Donc le chauffeur a été troublé et puis maintenant ça a provoqué l'accident. Le gros camion, l'arrière du gros camion a cogné, a tapé leur véhicule, a frôlé leur véhicule. Et là maintenant l'accident s'est créé. Maintenant pendant que l'accident se déroulait, sa maman a fait une prière et c'est la prière qui a fait qu'il a protégé, qui a fait qu'elle n'est pas morte lors de l'accident. Est-ce que tu veux qu'on te délivre? Oui, papa. Alors, lève tes mains. Comme la distance n'est pas une barrière, et puis que cette prière localise ta jeune soeur, Sophie, plutôt, délivre-la. Je commande à l'esprit de la sorcellerie de libérer son corps. Je commande à l'esprit de la sorcellerie de libérer son corps et maintenant même. Lui de libérer sa vie. Lâche-la. Allez. Libère-la. Libère-la. Au nom de Jésus. Elle a libéré. Je demande à sa mère, Seigneur, là. Donc si je suis arrêté comme ça aujourd'hui, je vais dire merci beaucoup à Dieu. Amen. Merci à mon prophète. Amen. Parce que quand je venais à Divo ici, ce n'était pas facile pour moi. Ce n'était pas facile pour moi. Et on a fait accident tout ça là. Avec mes quatre enfants. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a délivré tous mes enfants. Et moi-même, Dieu m'a guéri. Vraiment, je dis merci beaucoup à Dieu. Et je vous dis merci aussi beaucoup, papa. Merci aussi pour vos aides. Et c'est grâce à vous, ma fille aussi va être au milieu de ses camarades.
Amen. 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 Bonsoir, papa prophète. Je me nomme toi de gauche à l'air. Quand il venait ici, il était sorcier. Et il avait programmé maman pour la tuer, ma soeur, mais elle, les gens m'avaient poussé. Mais grâce à la prière de papa prophète, il était délivré. Il dit merci à Dieu, il dit merci à papa prophète. Et Dieu a compris mon ministère. Alors, comment tu te sens maintenant? Je me sens bien. Quand vous avez prié pour moi, je me sens bien. Et c'est ce qui est dans mon corps maintenant.